Salut à tous les amis, c'est Mister Soloshi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e la 8e ouverture de booster. Là, cette fois-ci, c'est pas Pokémon Écarlate et Violet. Là, ça va être divisé en deux vidéos. Une partie, une vidéo, un booster. Donc là, ça va être faire deux vidéos. Du coup, là, c'est Astre Radieux, si je me trompe pas. Donc, allez, c'est parti. J'espère qu'on aura de la chance. Alors, du coup, le code, c'est pour moi. Alors, bon, on a le jeton Pikachu. Celui-là, je l'avais déjà. Donc, bon, celui-là va pas vraiment me servir. Ensuite, on a une magnifique Sulfura de Galar. Franchement, vraiment pas mal. Bon, des cartes comme ça, je pense que ça coûte vraiment très très peu cher. Parce que c'est distribué dans sûrement tous les paquets. Ensuite, la magnifique Articodin. Franchement, incroyable. Peut-être enlever le flash. Voilà. Attendez. Je vais bien mettre la lumière. La magnifique Articonin, du coup. Vraiment pas mal, celle-là. Et le magnifique Elector. Alors, franchement, moi, les trois oiseaux de Galar, je les aime vraiment beaucoup. Hein. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Mais moi, je pense en vrai, ce serait peut-être Sulfura. Sulfura ou Articonin. Franchement, vraiment pas mal. Et sinon, leur forme de base, ce serait clairement Articodin. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui préfèrent quand même Elector. Mais moi, en vrai, je préfère largement Articodin. Donc, du coup, celui-là, on met de côté. Et aujourd'hui, on va ouvrir celui-là. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Donc, j'espère qu'on va avoir de la chance. Allez, c'est parti. Voilà. Alors franchement, là vraiment 2 minutes pour ouvrir le paquet et je rigole vraiment pas. Ça fait vraiment 2 minutes que j'étais en train d'ouvrir le paquet. Vraiment, vraiment, plus j'en ouvre, plus ils sont longs à ouvrir. Voilà. Du coup, code blanc, je crois que les meilleurs codes, je crois que c'est les codes noirs. Après, je sais pas si c'est vrai cette histoire-là. Mais je sais pas. Du coup, code blanc, normalement, c'est rien de bien. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, faut pas se tromper. Je crois qu'on a quelque chose de rare. Je crois qu'on a quelque chose. Je crois qu'on a quelque chose. Alors, du coup, Astre Radieux, j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup ouvert. Du coup, là, on commence avec une magnifique Brindibou que j'avais déjà. Je les aurais sûrement pratiquement toutes, celles-là. Quillfish de Hisui que j'avais déjà. Celle-là, elle est vraiment pas mal, hein. Moustillon que j'avais déjà. Hoot-hoot que j'avais déjà. Scalpion que j'avais déjà. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Énergie combat. Ferrisson, celui-ci, je ne l'avais pas. On va arriver vers les dernières là. Fortifiant obscur. Là, je crois que c'est les dernières. Non, pas encore. Scalproie, je l'avais déjà. Celle-là est vraiment pas mal aussi. Attention, là, je crois que c'est les dernières. Ok, Cerfrousse. Et la dernière. Rien de spécial. Quand même un Résistil, hein. Vraiment pas mal. En vrai, je m'attendais à mieux. Mais c'est déjà pas mal. La Cerfrousse, en vrai, je suis un peu dégoûté. Je m'attendais vraiment à une bonne carte. Bon, Cerfrou, je m'attendais vraiment à mieux. Hein. Et bon, c'est pas grave, on a quand même 3 cartes que j'avais pas, donc ça va aller directement dans ma collection. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!